Louxor, rive occidentale du Nil. Le colosse de Ramsès II, le soleil des princes, émerge des premiers rayons du disque solaire. L'équipe de la mission archéologique française de Thèbes Ouest débute sa 30e mission de restauration et de valorisation du château de millions d'années de Ramsès II, le Ramesséum. Un des chantiers de cette campagne, c'est de pouvoir restituer un petit peu finalement le portique. Le temple est entouré sur trois côtés, nord, ouest et sud, d'un cavalier de Déblais. Les touristes vont pouvoir monter par l'escalier axial. Donc en fait, vous êtes ici dans une grande tombe qui, contrairement à la plupart de celles qu'on trouve au Ramesséum, est une tombe beaucoup plus ancienne que la troisième période intermédiaire. Vous avez une épaule de cartonnage de momie. Alors cette année, nous remettons en place les bases de colonnes manquantes. Et donc on a pu voir que les deux cercueils, qui étaient rectangulaires, étaient en serre. Je fais une approche à la machine parce que sinon on serait encore là, nos missions sont trop courtes. Nous avons suivi durant cette 30e campagne effectuée par la MAFTO les travaux de restauration et les fouilles réalisées dans plusieurs secteurs du Ramesséum. Gwenaëlle Leborgne et Jocelyne Autier travaillent au dégagement de l'allée processionnelle sud, APS, située sous le cavalier de Déblais. Christian Leblanc et Tommaso Quirino s'activent au dégagement et à la valorisation des secteurs nord, STL et STG. Éric Desèvres et Laurent Chazalviel ont trois chantiers. Dans la première cour, il s'agit de restituer les bases de 8 colonnes du portique sud, de procéder à l'aménagement de l'escalier d'accès pour les visiteurs, à la seconde cour, et ils poursuivent également la restitution du bas-côté sud du temple proprement dit. Hélène Guichard, Victoria Asensi-Amoro et Anne-Hélène Perrault poursuivent la fouille et le dégagement d'une tombe du Moyen-Empire, APO, CN21, sur la voie processionnelle ouest APO. Guy Lecuyot poursuit également l'exploration du secteur sud des dépendances afin de mieux déterminer l'entrée antique de ce quartier. Une centaine d'habitants des villages de Gourna et de Bayrat travaillent pendant 2 mois sur le chantier de fou. Comme chaque matin, Christian Leblanc fait l'appel des ouvriers. Allah Mohamed Ali Ahmed. Allah. Allah. Allah Mohamed Ahmed. Saïd Ibrahim Awa. Ahmed Youssef. Ahmed Nagdi Mohamed Ali. Abu Naga Ahmed Mahmoud Abdallah. Ramadan. Ahmed Mohamed Ahmed Younes. Abdul Rahim Mahmoud Ahmed Mohamed. Shlok. Ali Ahmed Mohamed Ali. Les ouvriers, recrutés quotidiennement, regagnent leurs affectations aux différents secteurs du Ramesséum.
Christian rejoint son bureau aménagé au pied du second pylône de la première cour du temple. Direction, le secteur APS où nous avons rendez-vous avec Jocelyne et Gwenaëlle dans la portion sud-ouest du Cavalier de Desblais. Elles poursuivent la fouille commencée en 2013 afin de retrouver l'angle que forment les allées processionnelles sud et ouest. Même si le dégagement avance à un bon rythme, l'épaisseur des déblais encore à retirer ne permettra sans doute pas de parvenir au niveau du sol ramesside au cours de cette mission. ماشي وانت كمان يا سيدي النهارده ماشي بكره لا بونجور تو الموند النهارده ماشي بكره لا ايوه ايوه pourvu que le vent ne se lève pas اوبا لا مدام Le temple est entouré sur trois côtés, nord-ouest et sud, d'un cavalier de déblais. C'est-à-dire que le temple, à une époque, a été non seulement désensablé, mais nettoyé. Entre 1903 et 1906, vous savez que Émile Barrès, qui était un architecte qui travaillait à Louxor pour le service des antiquités, avait été chargé de mettre en place, enfin de faire en fait un petit peu un nettoyage déjà du complexe économique du Ramesséum. Donc il a fallu qu'il dégage tout ça petit à petit sur les côtés. Donc il a fait un aménagement finalement périphérique du temple en construisant une sorte de cavalier de déblais artificiel, voyez-vous, assez épais d'ailleurs. Mmh. Hein. Et ces cavaliers de déblais là ont été un petit peu ignorés. Ils ont servi comme promontoire aux touristes pour avoir un œil sur l'ensemble du temple. Finalement, ce cavalier de déblais servait aussi, on pouvait monter dessus et avoir, si vous voulez, une vue panoramique sur le temple pour les premiers touristes de l'époque qui venaient notamment à Thèbes. Lorsque Monique Nelson fouillait au côté, à l'angle nord-ouest, incidemment, elle a remarqué au niveau du sol ramesside des emplacements de socles de sphinx et également quelques restants de dallage. Il ne s'était pas rendu compte qu'en aménageant ce cavalier de déblais entre les deux murs d'enceinte du Ramesséum, il allait recouvrir tout un ensemble de structures antiques. Et il a fallu donc petit à petit retirer tous ces déblais pour voir réapparaître ces structures antiques. Et ça, au fur et à mesure de l'évolution de la fouille, ça s'est avéré être une allée processionnelle. C'est-à-dire que les processions empruntaient le pourtour du temple. Alors, côté nord, on avait bien sûr, on a pu retrouver beaucoup de vestiges qui ont démontré que c'était surtout des chacals qui ornaient finalement cette voie processionnelle côté nord. Et qui comprenaient des sphinx, de chaque, une allée de sphinx de chaque côté. Un sphinx qu'on a pu reconstituer à partir de fragments, enfin plutôt de morceaux originaux, dont la tête, un genou, le buste du petit roi qui est sous le menton du chien, du chacal. C'est la première fois que dans un temple égyptien, on voit des voies processionnelles, non pas devant le pylône, mais en serrant le temple sur trois de ses côtés. Et donc, au nord, le cavalier de déblais a été complètement
fouillée et éliminée. Et à l'ouest sont apparues des tombes qui se sont installées là, surtout à la troisième période intermédiaire. Et on a trouvé également beaucoup de morceaux de sphinx qui ont révélé la morphologie des sphinx à l'ouest. À l'ouest, nous savons que c'était surtout des sphinx androcéphales, avec un visage à l'image de Ramsès II. Donc on connaissait au nord, on connaissait à l'ouest, et on ne connaît pas au sud, d'où cette fouille qui a commencé en 2012 et qui a mis au jour donc, le dallage de l'allée processionnelle sud, qui va de l'angle du mur de périphérique du temple, qui va donc de l'ouest à l'est. Nous l'avons dégagé et nous avons trouvé de chaque côté les emplacements des sphinx. Seulement les emplacements. En fait, le travail cette année, ça va être d'essayer de trouver comment s'organisent les bases au sud par rapport à l'année processionnelle ouest, savoir si les bases sud vont jusqu'au bout du mur ou alors si ce sont les bases ouest qui vont aller jouxter le mur d'enceinte sud-ouest. Et le deuxième travail va être d'essayer de trouver quelle tête les sphinx de l'année processionnelle sud ont. Alors le but essentiel de cette année, c'est de retrouver des fragments de sphinx pour que l'on puisse reconstituer la morphologie du sphinx qui trônait sur l'allée processionnelle sud du Ramesséum. Voilà. C'est également d'arriver à retirer les déblés qui sont venus contre le cavalier de déblés du Ramesséum, les déblés qui viennent du temple de Mnandanétouposis IV. Donc nous allons attaquer le travail côté sud de ce cavalier de déblés pour essayer de dégager ces déblés-là en premier. Voilà en gros le travail. Donc là ils sont en train de finir de nettoyer la plateforme avant le début du travail côté sud, donc le long côté sud. Et puis parallèlement il y a deux équipes qui sont parties du côté de l'angle sud-ouest du mur pour pouvoir dégager ce cavalier des blés ouest et essayer de comprendre comment les bases s'organisent. C'est un travail colossal parce que ça fait quelle épaisseur ? Plus de 4 mètres de haut. Ah oui, et sur combien ? Alors, 10 mètres ? On n'a pas encore mesuré, on doit mesurer justement ce matin. Le cavalier de déblé initial de Barès, c'était 5 mètres au niveau de la plateforme, 5 mètres de large. Mais comme ils sont venus s'additionner les déblés du temple de Toutmosis IV, donc... Ça l'a bien élargi. Ça doit être beaucoup plus. Comment Pétri, Puybal ont fouillé certains secteurs du temple. Il y a des photos où on voit l'épaisseur des déblais qui se trouvaient même à l'intérieur des magasins. Donc c'était sur plusieurs mètres. Il y en a un avec son outil qui s'appelle une tuerie, d'où le nom de l'ouvrier égyptien qui la détient de tuerie, qui... attaque une touche du cavalier de déblé en regardant bien naturellement parce que ce sont ses yeux qui sont importants. Et l'ouvrier Toury dispose d'un deuxième ouvrier appelé Sous-Toury qui lui a un deuxième regard sur les déblés qui sont amenés en petit côme de manière à être mis en moctaf et de manière à être évacué dans une remorque qui va être vidée dans le désert, dans un emplacement très précis, défini, imposé par le service des antiquités. On ne peut pas verser ça n'importe où. Et donc, ce qui a été trouvé, la tuerie met ça dans un petit sac à sa disposition, et le soir, on ramasse les sacs, et le matin, on contrôle les objets. Voilà. Et on...
on déduit ce qu'on peut déduire des objets trouvés. Le type de matériel que l'on trouve donc à l'angle sud-ouest du Cavalier des Blés, c'est un type de matériel funéraire. Là, je n'ai sous les yeux que du funéraire. Donc ici, vous avez une épaule de cartonnage de momie avec le début du collier et la fin du pan de la perruque. Ici en bleu, puisque les perruques étaient toujours en bleu lapis lazuli, puisque pour un Égyptien, le corps éternel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le corps jet, le corps imputrescible, a le système pileux en lapis lazuli. C'est pour ça que la perruque est toujours bleue, couleur bleue. Voilà. Donc on va se retrouver avec des perles que l'on retrouvait en fait en collier sur les momies, avec des fragments de chapti de différentes sortes. Celui-ci est en terre crue, donc vraiment. Oh, celui-là, je l'avais pas vu sortir. Oh, il est beau. C'est un. Il a une tête de babouin. Le chapti a tête de babouin. C'est quand même assez rare. Super. Mais mais c'est assez magnifique. Mm-hmm. J'espère que c'est une tête de babouin. D'ailleurs, j'ai pas dit des bêtises. Je vais revoir. C'est des fois, c'est un moule qui est. Ah non, parce que. Non, c'est une tête de cermette. C'est une tête de cermette. Il y a la trinière de lion et c'est une tête de cermette. Ah oui. Oh, oui, mais alors attends. C'est une tête de cermette. Il y a les oreilles du lion. C'est dommage que ça soit cassé juste là au niveau du museau. Parce que du coup, mais les yeux, c'est les yeux, de cermette. C'est bizarre comme truc, hein. La matière est très curieuse. J'aurais tendance à dire que c'est moderne, mais en même temps, il y a des trucs qui me gênent pour dire que c'est moderne. Hein. Tu as une corde. Les cordes qui permettaient en fait d'attacher le cartonnage, enfin les morceaux de cartonnage les uns aux autres. On a encore un fragment de corde, tu vois, avec les trous et la corde qui passait. C'est comme si c'était cousu en fait. C'est ça qui est intéressant ici sur ce fragment-là. Après, on voit aussi l'épaisseur. Hein. On a 13 couches de bandelettes qui sont prises là dans le cartonnage pour renforcer le cartonnage. J'en ai trouvé jusqu'à 16 couches. Mais on a l'impression que ça a été fait hier. On a l'impression que ça a été tissé hier. C'est impressionnant. Moi, à chaque fois que je vois ça, je fonds. J'ai l'impression d'être retourné 3000 ans en arrière. Ah oui, je fonds. Moi, dès que je vois ça, pour moi, c'est plus beau aussi. C'est la vie quotidienne. La vie quotidienne des Égyptiens. Laurent, Eric et Christian nous ont donné rendez-vous dans la première cour du temple. L'équipe d'ouvriers dirigée par Sayed travaille au montage de l'échafaudage qui permettra de débuter les travaux d'implantation du nouvel escalier d'accès à la seconde cour du Ramesséum. Dans le futur, dans un proche futur, les touristes vont pouvoir monter par l'escalier axial pour aller vers la deuxième cour. Mais là, c'est l'escalier en bois qui nous gêne maintenant. Donc on va devoir retirer l'escalier en bois. Et depuis la plateforme, c'est-à-dire depuis le palier de l'escalier de l'époque pharaonique, finalement, on va pouvoir aménager une petite plateforme latérale et puis un petit escalier en pierre qui permet d'accéder vers la deuxième cour. Donc il faut d'abord évidemment qu'on retire aussi deux énormes blocs qui sont en mauvais état afin de pouvoir les aménager, les restaurer, les remettre en place, ajouter probablement un autre bloc encore à côté. Allez.
Là, on retire les blocs parce qu'on prend les toits entiers, ils sont entièrement pourris en dessous. Donc, on restructure un petit peu finalement ce môle du pylône. Là. Voilà. Pour resuggérer finalement, on va mettre un bloc après ici pour restructurer l'amorce, si vous voulez, du montant du pylône. Donc là, il faut enlever ces blocs-là d'abord pour les restaurer. Hein. Il y a des restaurations à faire. Et puis surtout enlever toute la partie qui est complètement pourrie en dessous. Voyez-vous, c'est complètement délité. Donc là, il faut absolument changer tout ça. Après plusieurs semaines de travail, l'équipe dirigée par Éric de Sèvres a remplacé le vieil escalier en bois par ce nouvel ouvrage en pierre, donnant ainsi l'accès à la seconde cour du Ramesséum par l'escalier central. Christian Leblanc souhaite également reconstituer l'ensemble des bases de colonnes du portique sud du Ramesséum. Un des chantiers de cette campagne, c'est de pouvoir restituer un petit peu finalement le portique qui se trouvait devant le palais royal. Donc ce portique, il est constitué de toute une série de bases de colonnes, là maintenant, qui subsistent, des colonnes anciennes, hein, des bases de colonnes anciennes. Il en manque 8 qui ont complètement disparu. Alors cette année, nous remettons en place les bases de colonnes manquantes, implantées par rapport aux existantes. De la première cour ? De la première cour. Donc nous avons des blocs bruts qui viennent d'Assouan, du grès. Les blocs sont posés par les tireurs de pierre à l'emplacement défini. Ils sont rectangulaires à la base. Ils sont cubiques. Oui, voilà. Ils ont une vague forme cubique. Ça pèse combien un bloc comme ça? Vous avez une idée? Tu vois, je calcule le bloc à 1 mètre cube, ça fait 2,5 tonnes. Non, là, le bloc, ouais, il doit faire 2 tonnes. 2 tonnes? Justement, il doit y avoir peut-être plus d'un mètre cube, il y a 3 tonnes. 3 tonnes. L'autre, il est beau, hein. Alors ce qu'on essaye, c'est éviter des pierres qui soient trop ferrugineuses. Donc c'est des pierres brutes, on débute dans les carrières. Et là déjà, elles ont déjà retravaillé déjà un petit peu d'ailleurs par les tailleurs ici. En première phase, on réalise une phase joint. On met les deux blocs ensemble. Et ensuite, une fois que les deux blocs sont disposés, on sort le premier carré. Le premier volume capable dans lequel va être intégrée la bosse de colonne. Qu'est-ce que tu fais, Eric, là, s'il te plaît? Ben là, on va tracer la base de colonne. Tu vois, on part d'un carré, hein, et puis on découpe au coin, au coin, au coin. Donc là, ça y est, on a ce carré. On va tracer la base de colonne à l'intérieur. Et puis au fur et à mesure, on va tailler les angles, détailler et épanneler, on appelle ça. Alors, c'est nous qui faisons ce travail à la disqueuse. On fait d'abord un premier carré, ensuite on fait un octogone. Et ça, tu le fais à la disqueuse? Voilà. Ben moi, j'ai... Je fais une approche à la machine parce que sinon on serait encore là, nos missions sont trop courtes. Mais ouais, je fais une approche et puis après ils finissent tout le reste à la main. Quoi. Et ensuite, de l'octogone à la base de colonne, ce sont les ouvriers égyptiens qui terminent. D'accord, au burin. Au burin, à la main, avec les outils traditionnels. Ça va permettre en plus de voir la progression du cercle comme ça, mais au fur et à mesure, en fait, ça finit par un octogone, un hexagone, etc. Hexagone, octogone, etc. etc. Certains tailleurs de pierre suivent une formation à l'école de taille de Gourna, située à proximité de l'ancienne maison de fouilles du célèbre égyptologue Howard Carter. Donc là, ce sont surtout les tailleurs de pierre qui sont à l'œuvre.
donc qui viennent pour certains d'entre eux d'ailleurs de l'école de taille qui a été ouverte à Gournat. Et c'est les élèves de l'école, comme ça, ça leur fait la main. Et nous, on les suit pour leur donner toutes les techniques. C'est la technique dite d'épanelage, les approches successives, on enlève de la matière, on s'approche des courbes à l'horizontale et à la verticale. Donc, ils ont quand même un gros travail, puisque là, ils ont à restituer finalement 8 bases de colonnes pour compléter finalement ce portique. Et ça permet de former également donc, des Égyptiens à la taille de pierre sur in situ. Dans l'espoir qu'ils aient du travail dans l'archéologie autour. C'est un des espoirs de cette formation, c'est de former des ouvriers et qu'à terme, il n'y a plus besoin de beaucoup de Français. Et il y a 4 des meilleurs anciens qui vont avoir une formation complémentaire, plus avec des dérivés, plus un peu d'enduit, peut-être un peu de carrelage, pour essayer d'ouvrir leur champ de compétences et qu'ils soient employables au cours de chez eux. Il faut savoir que là, ils sont sur une œuvre à réaliser. Hein, parce que là, c'est, ils n'ont pas le droit de se tromper. Donc, on est en train de restituer simplement les bases afin de pouvoir redonner finalement l'apparence de ce portique antique. Et alors, pour les autres, celles qui étaient anciennes, c'est un travail surtout de restauration qui a été fait. Et là, ce sont des restaurateurs égyptiens qui sont à l'œuvre aussi. Et qui vont permettre de pouvoir justement maintenir en place un petit peu, en tout cas, restaurer tous ces éléments qui étaient en mauvais état. Et puis on fera réapparaître ensuite, bien sûr, les dallages qui remontent à l'époque pharaonique et qui sont cachés actuellement par les déblais de surface. Donc d'ici la fin de cette campagne, je pense qu'on verra petit à petit réapparaître le portique, qui est un portique à 2 rangées de colonnes. C'était des colonnes d'ailleurs qui étaient avec des ombelles, donc des fleurs épanouies en fin de compte, des colonnes florales. Et qui précédait donc finalement le palais royal, le palais de Ramsès II, pour Ramsès. Et comme le souhaitait Christian Leblanc, le résultat des travaux de reconstitution des 8 bases de colonnes manquantes offre aux visiteurs une lecture architecturale complète du portique sud du Ramsès. Nous quittons la première cour du château de millions d'années de Ramsès II pour nous diriger vers le secteur BCS où les travaux de restauration du bas-côté sud du temple sont également au programme de cette année. La mission des tailleurs de pierre, dirigée par Eric et Laurent, sera de restituer les espaces architecturaux disparus sur la hauteur d'une assise de pierre. Et là, il s'agit de pouvoir aussi restituer toute une série d'éléments qui concernent le bas-côté sud du temple de Ramsès II proprement dit. Les ouvriers taillent actuellement les dallages pour la restitution des sols des différentes structures. Le résultat des travaux réalisés doit permettre d'assurer une meilleure lecture du plan du temple. Maintenant, prenons la direction du bas-côté nord du temple dans les secteurs BCN et SHP. Sameh Mohamed Zaki et son équipe ont repris la fouille d'une tombe du Moyen Empire située à proximité de la grande salle hypostyle du temple. À proximité du puits, les équipes de Christian Leblanc et de Tommaso Curino procèdent à la protection et à la restauration des murs antiques des salles des complexes en briques crues des secteurs STH et STG. Les maçons ont donc pris en charge ce travail pendant que l'équipe des archéologues continue de progresser vers l'ouest, dans un autre ensemble de bâtiments du secteur STG.
Rejoignons maintenant le bureau de Christian Leblanc, situé dans la première cour du Ramesséum, en contrebas du second pylône. Le travail de cette année dans le secteur STI est de vérifier l'emplacement exact de la fameuse tombe de Sétépibré, une tombe du Moyen Empire, celui qui réjouit le cœur de Ré. Cette tombe a été découverte en 1896 par un archéologue anglais, Quibon. Alors cette année, il s'agit donc de bien vérifier où se trouve l'entrée de cette sépulture. Et pour cela, évidemment, nous allons nous aider des plans qui avaient été dressés à l'époque par Quibon. Alors c'est vrai que dans la salle à colonnes, dans cette salle du secteur STI, Quibon avait retracé l'emplacement de cette tombe entre un certain nombre de colonnes qui se trouvent au fond de la salle. Aujourd'hui, le contexte finalement de ce secteur a changé puisque plusieurs colonnes ont disparu. Et il s'agit donc de retrouver exactement l'entrée de la fameuse tombe de Sétépibré, qui doit commencer apparemment dans un magasin qui est le magasin numéro 8 de Quibon et qui s'étend vers l'ouest jusqu'au magasin 5 ou 4 également de Quibon. Alors nous savons d'après le plan de Quibon que cette tombe se trouvait finalement près de l'échancrure d'un mur vers le fond de cette salle à colonnes. Donc nous avons fait là des sondages qui ont permis progressivement de pouvoir retrouver l'emplacement de cette tombe. Alors il semble bien que cette sépulture, qui était orientée d'est en ouest, a été creusée probablement à ce niveau. Donc nous avons pu vérifier ici, dans tout ce secteur, finalement, en faisant un sondage assez profond. Et c'est ici que nous avons d'ailleurs retrouvé finalement la sépulture de Sétépibré. Alors nous n'en avons perçu que le linteau, qui est assez profondément évidemment enfoncé dans le sol. Et le but de la prochaine mission sera effectivement de pouvoir fouiller cette tombe, qui se dirige d'ailleurs par un long corridor en direction de la montagne Thébaine, donc vers l'ouest. Un corridor qui fait une quinzaine de mètres et dont les parois étaient entièrement décorées, puisque nous avons retrouvé même des fragments de ce décor, qui est un décor sur enduit de limon peint. Donc nous avons retrouvé des éléments de plafond notamment, et nous savons que les parois de cette tombe étaient aussi décorées de scènes funéraires. Donc nous allons devoir entreprendre une fouille qui devrait permettre de pouvoir localiser cette sépulture afin de pouvoir engager la fouille probablement l'année prochaine. Des prospections ont été effectuées dans la salle annexe du trésor en vue de localiser plus précisément l'entrée de la tombe. Et c'est pendant ces investigations qu'une cache a été mise au jour à proximité du mur contenant un buste en diorite de la déesse Sekhmet figuré avec des yeux rouges. Dirigeons-nous maintenant vers la voie processionnelle ouest, où l'équipe dirigée par Hélène Guichard poursuit la fouille et le dégagement d'une tombe du Moyen Empire. Avant de pouvoir descendre dans le puits vertical de 7 mètres, permettant l'accès à la tombe, nous devons attendre l'installation du système d'éclairage mis en place par les techniciens de la mission. Ouais.
J'ai embauché un gars en deuxième équipe, il tourne pas. Alors, par contre, avec votre sac, je pense que vous allez avoir du mal à passer parce que voilà, vous voyez comme encore oui, bah, je vais mettre de travers. Voilà, je marche et faites attention à votre dos. Pas touché. C'est bon, aussi. Voilà. Alors. Attends, la dernière avant de descendre. Oui, oui, il y a la deuxième, voilà. Deuxième équipe qui arrive. Déjà, je vous explique, il ne faut pas marcher là. Donc c'est vraiment, c'est le long. Fais attention à ton dos, Daniel. Ton dos là, tu fais attention à ton dos. Tourne-toi un petit peu. Et suivez-moi et pas sur une partie là. On a dit très bien. Okay. Pas de souci. Plus proche. Ici. D'accord. Voilà. Welcome. Merci. Bonjour. Donc en fait, on est ici dans une grande tombe qui, contrairement à la plupart de celles qu'on trouve au Ramesséum, est une tombe beaucoup plus ancienne que la troisième période intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle remonte au Moyen Empire. Vous savez que quand le culte de Ramsès II défunt a été suspendu à la troisième période intermédiaire, au Ramesséum, le temple, le Téménos lui-même, une partie du Dromos, a été transformé en nécropole pour le, on va dire, le bas clergé d'Amon de Thèbes. Et les tombes qui étaient creusées à l'époque réutilisaient une partie des superstructures des magasins du Ramesséum et se constituaient la plupart du temps d'un puits d'accès relativement peu profond et d'un un ou plusieurs caveaux, donc des tombes vraiment simples avec peu de matériel funéraire. Et puis, il se trouve que à la troisième période intermédiaire, vraisemblablement vers la fin de la 21e dynastie, début de la 22e, des gens sont venus ici sur cette allée processionnelle ouest, ont creusé un puits, comme d'habitude, pour faire une tombe, et sont tombés par accident dans cet immense corridor que vous voyez ici, et qui correspond en fait à une tombe du Moyen Empire, qui existait donc bien avant la construction du Ramesséum, et que la construction du Ramesséum, et notamment de son allée processionnelle ouest, a complètement fermé, bouché, obturé, si bien que la tombe a été oubliée pendant près de deux siècles. Et elle n'a été donc redécouverte qu'à la troisième période intermédiaire, et à partir de ce moment-là, réutilisée d'une manière relativement légère au début, et ensuite comme une sépulture collective, si bien qu'on y a découvert, dans un état de fragmentation et de mélange assez important, plus de 250 individus, entre donc la troisième période intermédiaire et vraisemblablement la basse époque. Nous, on travaille dans cette tombe depuis, c'est la septième mission maintenant, puisqu'on est arrivé dedans exactement de la même manière que ces gens de la troisième période intermédiaire, un peu par accident, on ne pensait pas tomber là-dedans. Et la tombe était totalement bouchée, emplie de débris de ces inhumations collectives et surtout de ces pillages successifs répétés dès l'Antiquité, naturellement. Si bien que jusqu'au plafond, c'était quasiment rempli de déblais, de débris, de momies démembrées, d'ossements épars, et surtout de cercueils de la troisième période intermédiaire, totalement explosés, dont il ne reste que des fragments de joints, des chevilles, des tenons, quelques petits bouts avec du décor, en fait tout ce qui n'a pas été récupéré par les pillards. Voilà, donc la tombe originelle était une tombe à descendrie avec une porte taillée dans le guébel. On a déjà l'emplacement de la porte, elle est au côté est de la tombe, mais elle se trouve sous l'actuel dromos. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fouillé là, ce qui doit être une cour avec une façade taillée dans la roche, une porte qui débouche sur ce couloir de 20 mètres de long, qui descend en pente douce et qui donne accès, si vous voulez aller voir, à une chambre funéraire carrée d'environ 5 mètres sur 5, dans laquelle est creusé le puits qui donne accès au caveau. Et dans ce caveau se trouvaient deux inhumations, celle d'un homme, le premier à avoir été inhumé ici, et celle d'une femme quelques années plus tard. Et quand on dit quelques années plus tard, c'est qu'entre les deux inhumations, une inondation a eu lieu. L'eau et la boue sont rentrées dans la tombe par cette porte et ont dévalé dans le corridor jusqu'à noyer une partie du caveau, ce qui a emprisonné un certain nombre de vestiges, mais qui malheureusement a également détruit tous les matériaux organiques. Donc des cercueils, par exemple, il ne reste rien que leurs traces emprisonnées dans la boue. Donc nous avons pu
pu trouver des petits vestiges, des bois un peu bien abîmés parce qu'ils ont humidifié, et puis, mais qui conservaient encore leur structure. Et donc on a pu voir que les deux cercueils, qui étaient rectangulaires, étaient en cèdre. Pour monsieur, en plus, il y avait un double cercueil. Donc tous ces matériaux nous ont permis de voir aussi bien pour la cuve et les couvercles qu'il s'agissait de la même espèce, et la même chose pour madame. Après, donc, on a continué à faire l'étude de tout ce que trouvait en bois, aussi bien, enfin, tout au long de la tombe. Mais là, c'est en cours et nous avons plusieurs espèces différentes. Donc, ça va depuis le figuier sycomore jusqu'au tamaris et l'acacia. Mais pour ce qui est les caveaux et donc le Moyen Empire, ces objets-là étaient bien un cèdre, probablement cèdre du Liban. Voilà, donc si vous voulez, on va aller voir ce corridor. Alors, au passage, je vous présente l'équipe, quand même. Donc, Victoria Asensi, Anne-Hélène Perrault, et puis nos ouvriers de toujours qui travaillent dans cette tombe depuis le début. Ils avaient commencé avec Monique Nelson, qui l'avait découverte en 2009. Donc, Ahmed Abdelmoti et Awez, qui sont nos deux ouvriers fétiches ici. Alors, vous êtes en train de marcher ici même sur la dernière couche que nous n'avons pas fouillée encore dans le corridor, et qui est cette couche de boue blanche, c'est ce qu'ici on appelle la riba, et qui est très solide, très dure, et qui a emprisonné, quand elle est arrivée, des vestiges du Moyen Empire abandonnés par les pillards, parce que la tombe a été pillée très tôt. On a retrouvé différents éléments, notamment appartenant à un modèle de barque. Malheureusement, le bateau n'est toujours pas trouvé. Il a vraisemblablement disparu. Mais on a retrouvé de nombreuses petites figurines de ce modèle de barque. On a retrouvé pas mal de poteries. L'année dernière, on a même trouvé un miroir en bronze. Et tous ces éléments-là étaient déposés ou emprisonnés dans cette couche de boue, parce que les pillards les avaient laissés tomber et ils ont été recouverts quand l'inondation est arrivée. Donc là, vous avez notre matériel en cours d'étude, notamment tous ces fragments de cercueil. Et là, je vais vous demander de faire très attention parce que la lumière est... Voilà, vous avez ce trou un peu dangereux à l'entrée. Et voilà ce puits d'accès qui donc est relativement profond. Il fait environ 5 mètres de profondeur. Et il donne accès au caveau où se trouvaient les deux inhumations originelles. Alors, excusez un petit peu l'encombrement de cette chambre funéraire. Et vous voyez ici les vestiges de ce qu'on a fouillé pendant toutes ces années. Alors, vous avez côté gauche ce qui est étudié, notamment les ossements par l'anthropologue de la mission, André Mac. Et puis, les différents fragments de bois, de cercueils qui, eux, ne portent pas de décor. Et de ce côté-ci, c'est tout ce qui nous reste à étudier. Donc, vous voyez, les ossements de ces inhumations collectives dont je vous parlais. Quelques fragments de momies encore plus ou moins conservés. Et voilà. Donc, c'est vraiment une tombe intéressante parce qu'on sait qu'il y avait déjà des tombes de l'Ancien Empire sur l'emprise du Ramesséum. À l'époque, Petrie et Quibel en avaient déjà découvert à la fin du XIXe siècle. Mais celle-ci est vraiment intéressante parce qu'elle est relativement bien conservée structurellement, même si elle ne porte aucun décor et qu'elle n'en a jamais porté, mais elle est d'une taille importante, et la présence de cette inondation, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres tombes de la même époque, dans les sites voisins, notamment sur le temple de Thoutmôsis III, est quand même vraiment intéressante parce que ça permet d'observer un certain nombre d'événements naturels à une époque donnée, puisque cette inondation-là, bien sûr, n'est pas une inondation, c'est pas la crue du Nil, celle vient d'une pluie torrentielle qui, on le sait, arrivait, se manifestait de temps en temps en Égypte. Voilà, vous pouvez mettre ici. Ouais, moi, j'y vais pas. Ah, c'est bien, là. Donc là, ça part dessous, là? Oui, ça part dessus. Combien de mètres? Une petite chambre. Je crois que c'était 3x3. D'accord. Hein, mais là... Et en dessous, c'est de période ramesside? Non, ça, c'est précisément la tombe du Moyen Empire. D'accord. Il n'y a rien de ramesside ici. D'accord. Puisque précisément, quand Ramsès arrive, il scelle. D'accord. Comme Hélène a dit. Donc, et la tombe va rester parfaitement fermée.
jusqu'à la troisième période intermédiaire. D'accord. Et donc, du coup, tous les caveaux, la chambre, les structures sont toutes Moyen Empire. Merci beaucoup, Hélène. Bonne suite. À bientôt. Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Bon courage. Merci beaucoup. C'était super. Choukran. Alors, super chouette. C'était vraiment une belle expérience. Ils nous ont bien expliqué un peu toute l'architecture de la tombe. C'était super chouette. Ouais. Merci à tous. Voilà, donc là on est contente parce qu'on a trouvé ce petit scarabée de cœur du Moyen Empire qui malheureusement ne semble pas avoir été inscrit. Et c'est donc une des plus belles pièces qu'on ait trouvées jusqu'à présent dans la tombe. Bon, on espérait avoir un nom puisque c'est la malédiction de cette tombe. Il n'y a aucun nom nulle part, donc on ne connaît pas le nom des propriétaires de la tombe. Mais enfin, là voilà. Beau scarabée, bien taillé, en schiste. Magnifique. Une belle pièce. Ça, ça va là. Alors, si on décide de le faire entrer, on va remettre. Et que ça vient du même endroit, donc à côté du scarabée. Et donc, on a cette jolie petite coupe qui a des éléments en relief et donc quelques ornements sur les bords. Voilà. On est en train d'essayer d'inventorier maintenant. Et il y a d'autres fragments aussi, là? Là, on a d'autres fragments et on attend de voir si on va retrouver toutes des autres à côté, puisqu'on n'a pas fini. Bien sûr. C'est pas cette photo. Rejoignons une dernière fois Christian Leblanc au pied du premier pylône du Ramessea. Il va nous sensibiliser sur l'impact de l'urbanisation actuelle sur le temple millénaire. Vous voyez, on a les traces encore des blocs qui sont juste simplement équarris, voyez-vous, sur le côté là. Donc on a finalement toute l'épaisseur du mur qui venait en brique crue, s'appuyer contre le premier pylône. On voit les traces, oui. Oui. Donc tout ça, évidemment, nécessiterait qu'on déplace le mur, mais on ne peut pas le déplacer puisqu'il y a les habitations qui sont juste derrière. Oui, bien sûr. Ça, c'est quand même dommage. Hein. Alors le mur partait par là, donc il traversait les maisons qui sont là, et puis il rejoignait finalement le deuxième mur d'enceinte, qui arrivait du sud, enfin de l'ouest vers l'est. Donc tout ça aujourd'hui est sous les maisons. Donc il faudrait faire disparaître ces maisons pour compléter finalement le plan du Ramesséum. Alors ça, c'est pas demain que ça va se faire malheureusement, parce qu'il faudrait expulser ces populations-là, les reloger. Et apparemment, pour le moment, tout est bloqué. Après, c'est une décision politique. Bah, c'est une décision politique, bien sûr, mais enfin, je veux dire que quand il y a eu le déplacement des populations de Gourna, il aurait été possible aussi, d'ailleurs c'était programmé, hein, c'est-à-dire que toutes ces habitations-là, tout le petit hameau qui se trouve là, devait être déplacé aussi dans le New Gourna. Et en fait, on a bien relogé tous les habitants de Gourna, sauf ces habitants-là. Alors ils sont restés là pour le moment, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que
tant qu'ils sont là, on ne peut pas progresser dans la fouille archéologique pour le secteur sud, et notamment pour ce qui est derrière le palais royal, puisqu'il devait y avoir les appartements royaux. Donc tout ça est sous les maisons. Donc tant que ces maisons seront là, on ne pourra jamais continuer la fouille en progression du sud. Ça, c'est très dommage. La 30e campagne de fouilles s'achève dans le château de millions d'années de Ramsès II. Les équipes de la mission archéologique française de Thèbes Ouest ont une nouvelle fois œuvré à la restauration et à la valorisation du Ramesséen. Ça va ? Vous arrivez à grimper ? C'est de l'escalade, hein ? On vous suit, docteur, sans problème. La 31e campagne de fouilles promet déjà de nombreuses découvertes.